tu fouilles un peu, tu regardes et tu comprends qu'en fait les règles du jeu officiel, c'est pas la réalité. Et que pour pouvoir prétendre à la même chose que les autres, soit tu connais du monde, soit il va falloir se battre. Quand on prend ce type d'initiative-là, à partir d'une réalité qui est celle des quartiers populaires, c'est quelles alliances on va faire avec d'autres secteurs de la société, locales en l'occurrence, mais ça pourrait être vrai pour faire valoir nos combats, nos idées. Et aujourd'hui, par exemple, je trouve que c'est intéressant, moi, quand des gens me disent « bon, je veux m'engager, je vais faire la campagne et tout », au-delà même de choix politiques que j'aurais fait moi, je dis « écoute, si tu le fais sérieusement, entre guillemets, dans le sens sérieux, ça ne veut pas dire être triste, tout ça, mais un peu avec… Vas-y, parce que tu vas apprendre. Tu vas prendre et tu vas apprendre. » Il y a plein de trucs qui m'ont marqué, mais ce dont je me souviens, c'est que je faisais extrêmement attention à ce que je faisais. Je n'aurais pas fait du griveau, quoi. C'était clair, net et précis. Vraiment, même quand je me suis dit, je deviens une cible. C'est fou, hein. On a été confrontés de manière frontale à la question du racisme. À l'issue du premier tour, c'est monté petit à petit, et encore plus entre les deux tours, effectivement, il y a eu une campagne en sous-main, qui était une campagne raciste, le fameux pas d'arabe au Capitole. Vraiment, ce que j'ai pas fait en le post-2014, j'aimerais bien pouvoir le faire avec d'autres sur après, quoi. Après, ça dépend aussi d'eux, ça dépend de leur ressenti, ça dépend aussi de leur retour d'expérience, de savoir s'ils ont encore envie de se projeter, parce qu'ils prennent des coups. Ils prennent des coups comme ça en a pris, comme j'en ai pris. Je pense qu'il y a une plus grande participation de gens qui sont liés à l'histoire des quartiers, ou des militants des quartiers, ou des militants associatifs, aux dynamiques politiques. Mais par contre, on a moins de dynamiques autonomes, et on a moins de dynamiques qui sont à l'initiative des... Mais ce n'est pas la fin de l'histoire.